Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Denis. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour ce Tchatché Science. Donc Tchatché Science, ce sont des événements où on discute pendant une heure sur des événements qui ont lieu. Ah, excusez-moi, j'ai un petit problème. Ce sont des événements qui ont lieu en ce moment sur des sujets tels que la biodiversité, l'agriculture ou encore la santé. D'ailleurs, on en a fait un la semaine dernière sur les maladies à vecteurs sur notre chaîne YouTube que je vous invite à aller regarder. C'était très intéressant. Et ce soir, donc, on a une heure de discussion avec un intervenant, mais aussi avec vous, le public, puisque vous pouvez interagir dans le chat sur le côté de la vidéo. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement la région Occitanie qui co-organise ce live et dont on va sûrement parler ce soir, et également l'association Kimio qui nous a aidés à organiser les tchatches et séances. On va parler donc d'agriculture biologique en France et plus particulièrement en région Occitanie avec l'exemple de la Lozère. Et pour ce faire, j'ai avec moi ce soir Denis Pitt. Bonsoir Denis. Bonsoir Victor et bonsoir à tous. Donc Denis, vous êtes président de Lozère Bio et associé de Verfeuille, ainsi que membre associé à la Chambre d'agriculture de Lozère. Et donc je vais commencer ce live par une première question. Est-ce que Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous parler de vos activités? Qu'est-ce que c'est Lozère Bio? Qu'est-ce que c'est Verfeuille? Et quel est votre rôle dans ces structures? Alors, oui, rebonsoir à tous. Moi, je suis agriculteur donc depuis 1985. Alors, la Lozère est un pays de montagne, et moi, je suis particulièrement au sud de la Lozère, donc dans les contreforts du Massif central, qui s'appelle les Cévennes. Donc, dans les Cévennes, nous sommes un pays assez rude, au climat méditerranéen, et donc, l'élevage, c'est la chèvre, un peu de brebis, et j'allais dire presque la monoproduction, en tout cas la grosse production, c'est de la châtaigne, donc en fruitier. Donc, ces châtaigniers sont très, 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 très vieux, hein. Et donc, quand moi, je suis venu m'installer, venant de Paris, ma femme est native d'ici, donc agricultrice, et moi j'avais quand même des racines puisque mon père est originaire là, des Cévennes, donc lozérienne, et donc c'était pour moi un lieu de vacances. Donc quand je suis arrivé, ben, on s'est mis à faire de la chèvre laitière et du fromage, et très vite derrière, à l'époque, on ne parlait pas d'agriculture biologique au sens officiel d'aujourd'hui, mais c'était nature et progrès. Et donc, voilà, on s'était, de toute façon, j'allais dire, être en bio, ou en tout cas sans pesticides, ici, c'est presque naturel dans nos Cévennes, hein, puisque la géographie ne nous permet pas de passer ni avec des gros tracteurs, ni, puis on n'a pas des cultures qui demandent des traitements fongicides ou autres très puissants. Et puis, moi, j'avais quand même un peu une intériorité en agriculture. Et la folie de surdoser les engrais et les traitements sans réfléchir aux besoins m'avait quand même pas mal interpellé. Et donc, je dirais que c'est tout naturellement que je me suis tourné vers une agriculture de qualité, donc une agriculture biologique. Donc en 80, enfin, donc voilà, je vous passe les détails de mon travail en agriculture, mais on travaillait en cumin et notamment on s'était mis à faire du jus de pomme, puisqu'il y a pas mal de vieux pommiers avec des pommes à recycler. Et Alors, à Denis, partir. pour Kuma, pour nos auditeurs, peut-être Ah oui! préciser ce que c'est. C'est la coopérative d'utilisation de matériel agricole. C'est-à-dire qu'on se regroupe à plusieurs agriculteurs et on achète un matériel qu'on utilise en commun ou à tour de rôle. Mais là, voilà, l'atelier, on y était, je ne m'en rappelle plus, une quinzaine sur cet atelier.
Après, on a eu d'autres matériels, mais voilà, on faisait le jus de pomme. Et chacun chez soi faisait ces quelques centaines de pots de confiture de châtaigne qu'on vendait allègrement. Mais on était un peu frustrés parce qu'on a des centaines, pour ne pas dire un millier d'hectares de châtaigniers autour de nous, et on avait une valorisation qui était quasi nulle. Et donc, de réflexion en réflexion, on s'est retrouvé tout un groupe d'agriculteurs à dire pourquoi pas faire un atelier de transformation qui tienne la route. L'idée a mûri, l'idée a bien avancé, sauf que quand il a fallu rentrer dans le concret et mettre la main à la poche, on s'est retrouvé à quatre. Donc, on a dit à nos collègues, OK, nous on investit à quatre, on fait une SARL, mais vous pourrez venir transformer. Par contre, ça nous aidait à amortir et en même temps pour la trésorerie, vous nous ferez l'échec dessus. Donc voilà, on a commencé à valoriser nos châtaignes. La première année, donc, quand on a travaillé, nous, on a travaillé exclusivement bio avec nos productions. C'est la seule année d'ailleurs où qu'on a travaillé 100% bio parce qu'on a pris que nos châtaignes et on les a vendues, pour ceux qui connaissent, à Bonne Terre. Donc on a fait du marron naturel qu'on a vendu. Et après, il nous restait des châtaignes moins bien épluchées qu'on devait transformer en confiture. Donc partant de là, on a commencé à démarcher des commerçants. Et à notre grande surprise, il y avait un accueil extraordinaire et une demande de produits locaux très très forte. Alors je vous passe les différentes étapes puisqu'il est passé 32 ans depuis et aujourd'hui on a une petite PME qui fonctionne très bien mais qui est toujours sur le même principe d'accueillir les agriculteurs, de travailler pour nous effectivement puisque dans le secteur Verfeuille est bien connu maintenant. Et donc, on travaille en achetant des châtaignes aux agriculteurs de tous les alentours, Gard, Lozère, Hérault, Ardèche. Et voilà, on a été moteur dans l'AOC Châtaigne des Cévennes. Et donc, c'est un label qu'on a obtenu au mois de septembre. Donc, c'est tout récent. Donc, voilà un schéma très, très, très succinct de Verfeuille parce que c'est presque notre vie, hein, Verfeuille. Et après, en parallèle de ça, en Lozère, donc, la bio avait été activée au début de la bio officielle, mais il y a une quinzaine d'années, elle s'est soufflée. Et au niveau donc, du président de la chambre de l'époque et d'un technicien qui était arrivé, Étienne, ils ont dit il faut qu'on change ça. Qu'on active un peu plus de bio parce qu'on a un département qui s'y prête complètement. La Lozère est toute en zone de montagne. Il y a très très peu d'utilisation d'engrais puisqu'on a pas mal de fumier avec l'élevage. Il y a très peu de, pour pas dire presque epsilon de pesticides et il y avait quelques désherbants. Donc, il y a eu une réunion à la Chambre et je me suis trouvé catapulté président de Lozère Bio. Et donc à l'époque, il n'y avait que 70 agriculteurs bio en Lozère. Là aussi, on reviendra sur les étapes et sur le panel, mais de 70, on est passé à plus de 400, on doit être 430 aujourd'hui, exploitations bio en Lozère. Sur 2000 agriculteurs, 2000, 2200, ça dépend comment on prend les chiffres, les stats, c'est toujours très variable. Donc ça, c'est depuis 15 ans, c'est ça? Voilà, depuis 15 ans, donc on n'a pas eu une conversion en flèche, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu, comme dans le Midi viticole, des 300 exploitations sur une année qui se convertissent, parce qu'eux, ils ont l'avantage, je ne sais pas, ils ont des coopératives, donc quand la coopérative passe en bio, beaucoup d'adhérents y passent. Donc nous, ça a été une progression, j'allais dire, de 30 à 60 à 80 agriculteurs qui se convertissent par an, mais de façon linéaire. Voilà. D'accord. La particularité de notre département, même si on est leader sur deux, en tout cas régionaux, sur deux productions, que sont la châtaigne et le lait de chèvre, mais le lait de chèvre, pas par rapport aux Cévennes, on pourra en parler un peu plus en détail tout à l'heure, par rapport à un développement dans le nord du département.
On a des productions bio qui sont hyper variées. Ça, alors évidemment, en élevage, en bovine viande, bovin lait, en ovine viande, ovin lait. Ovin lait, on n'est pas loin de l'Aveyron et de Roquefort. Mais on a aussi des transformateurs sur les départements, puisqu'on a le groupe Tribala avec la bergerie de Lozère, qui est sur le nord Lozère, et qui fait des yaourts bio, bien connus, sous la marque Vrai. Et donc, on a une vraie collaboration avec ces transformateurs qui sont des groupes familiaux quand même, sauf Roquefort qui est un peu plus, j'allais dire, industriel. Et donc, voilà, un ovin lait, il n'y a pas de souci. En ovin viande, on en a de convertis. Il y a un peu plus de problématiques parce que les débouchés ne sont pas extraordinaires en termes de rémunération. Et donc, ça peine un peu, c'est une filière qui peine un peu. Mais on a aussi des poulets, des pondeuses. Alors, la Lozère, qui est quand même un département assez haut en altitude moyenne, moi, il y a 10-15 ans, je n'aurais pas fait le pari qu'on puisse faire des exploitations qui font du légume bio. Or, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Donc, on a de très belles exploitations en maraîchage bio. Du coup, avec la restauration collective, mais aussi les consommateurs qui viennent acheter sur les exploitations, il y a une demande. On a multiplié, j'allais dire, il y avait un ou deux producteurs, on en a une bonne 12 à 15 aujourd'hui. Et il y a encore de l'espace, voilà, pour faire du légume. Et c'est vrai que c'est une production qu'on ne conçoit pas autrement en Lozère qu'en maraîchage bio. Il n'y a pas de maraîcher, je ne crois pas qu'il y ait de maraîcher, en tout cas de gros maraîchers, qui soient en traditionnel. Dès que quelqu'un veut s'installer en maraîcher, on ne pose même pas la question. Automatiquement. On dit, mais en plus, c'est inconscient. Ça me fait sourire là, parce qu'effectivement, c'est peut-être une question qu'on ne se pose pas, quoi, en disant on a le choix. Voilà. Oui, on est un oui. peu, parce que c'est vrai que, voilà, on parlera peut-être après des critères de la bio, mais c'est vrai que le maraîchage, de toute façon, c'est exigeant. Et c'est que légèrement plus technique en bio. Quoi. D'accord. Et donc, en bio, on a de tout produit transformé, donc apiculture. On a même des fermes aquacoles. On a 3 fermes aquacoles en bio. Okay. Donc, aquacole, c'est pour l'élevage des truites. Des truites, oui. Voilà, du poisson en Lozère, qui fonctionne super bien. Et après, on a même des producteurs de glace. Voilà, on est, quand on regarde, si on fait le camembert des productions, ce n'est pas de la monoculture chez nous. Hein. C'est un camembert très coloré. Bonne voilà. diversification des voilà. productions. Il y a une bonne diversité. Voilà. Et donc, du coup, on avait créé, il y a une quinzaine d'années, Lozère Bio, qui avait pour mission, et qui a toujours pour mission, donc, de promouvoir la bio sur le département, en collaboration très étroite avec la Chambre d'agriculture, de fédérer donc, les agriculteurs et de représenter ces agriculteurs bio et être les interlocuteurs donc, des services administratifs, mais aussi du conseil départemental, au niveau régional, de travailler avec nos voisins et collègues que sont les autres départements, mais aussi l'Interpro qu'on avait commencé à développer à l'époque au niveau Languedoc-Roussillon et qui aujourd'hui est au niveau Occitanie. Donc voilà. Ce que je peux en dire, évidemment. Avec le Covid, ça nous a un peu perturbé, comme j'allais dire, toute activité. Oui, oui. Oui. Mais en termes de fonctionnement et de débouchés pour la bio, on est à un stade où ça ne nous a pas impacté, je dirais presque l'inverse. Ça nous a plutôt, on a eu une demande qui a été supérieure à ce qui existait.
D'accord, pendant la période du Covid, Pendant la période du plus grosse Covid, demande. parce que les consommateurs n'allant plus au restaurant et n'étant plus à la cantine, ils se sont mis à cuisiner, ce qui est une très bonne chose. Super. Et alors, peut-être, bon, le Covid a pas forcément impacté, mais en ce moment, on sait qu'il y a d'autres choses. Là, quand on regarde un peu l'actualité, notamment au niveau de la nouvelle, enfin, de la réforme de la PAC, je sais pas, bon, on n'avait peut-être pas trop prévu d'en parler à ce moment-là, mais je mets quand même le sujet sur le tapis parce que c'est demain, je crois, que les agriculteurs bio d'Occitanie vont manifester. Juste pour les auditeurs, la PAC, politique agricole commune, c'est donc la politique de subvention des agriculteurs qui est définie au niveau européen. Et on va dire que il y en a une donc là pour la période 2023-2027 qui va qui je crois représente une enveloppe de 9 milliards pour les agriculteurs français Oui, et avec un petit pourcentage pour le bio mais en fait bon il y a un désengagement on va dire de l'État français sur certaines aides notamment l'aide au maintien à la conversion enfin l'aide au maintien des c'est ça. exploitations Oui. en agriculture biologique, et du coup, bon, on a des petites divergences d'opinion à ce niveau-là en ce moment, de ce que j'ai compris. Donc, Voilà, parce que aujourd'hui, quand on veut convertir une exploitation qui est en culture traditionnelle avec de forts intrants, c'est-à-dire de forts apports d'engrais, de pesticides, ça fait quand même une grosse évolution. Et aujourd'hui, quand en fait, c'est pas une accusation que je portais, c'est le système de l'après-guerre où il fallait produire, à tout prix, il fallait produire. Donc, les coopératives, entre autres, mais aussi enfin, sous l'égide du gouvernement, a dit ben, on va mettre des engrais, on va changer notre système. Et effectivement, l'agriculture a progressé dans les rendements et dans j'allais dire, la qualité, par exemple, les céréales, ben, en mettant des désherbants, des raccourcisseurs, ça a évité l'averse et les graines exogènes, c'est-à-dire les graines indésirables, et on avait des céréales beaucoup plus pures. On a poussé ce système effectivement jusque, j'allais dire, jusque courant des années 70, où, voilà, moi je suis un fervent lecteur des livres techniques de Dominique Soltner, qui sont d'une logique extrême pour moi, c'est-à-dire qu'il n'était pas pour l'agriculture bio, mais il était de travailler de façon logique et raisonnable. Et donc, les schémas qu'il faisait m'avaient pas mal interpellé pendant mes études. Et en fait, l'agriculture bio, finalement, ne fait que revenir sur prévenir. Il y a un adage qui dit prévenir au lieu de guérir. Ben, l'agriculture bio, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on observe ces animaux, on fait des analyses de poils, de fesses, de crocs. On observe les quantités de ravageurs qu'il y a sur les cultures, si c'est une grosse pression, pas grosse pression, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut ben, observer ces cultures beaucoup plus en amont, puisqu'on ne fait pas du systémique. Le systémique, c'est, voilà, on se dit, toutes les 15 jours, on tue les insectes qui peuvent être sur la culture, et donc, on ne se réfléchit pas s'ils y sont ou pas, on passe le produit. Là, en agriculture bio, on fait de la prévention, donc on fait du travail de sol voilà, pour désherber, par exemple, on fait des faux semis, etc. Et on travaille différemment, c'est-à-dire que, par exemple, pour lutter contre certains ravageurs, on fait du piégeage sexuel, donc avec des hormones. Mais pour désherber, on fait justement du travail de sol ou un faux semis pour justement faire monter en graines les herbes et qu'elles ne nous gênent pas après. Et ça demande d'être en agriculture biologique, de redécouvrir beaucoup plus de techniques. Ça demande d'être un peu plus pro finalement. D'accord.
Donc ça, effectivement, pour revenir donc sur les aides européennes, l'Europe avait dit, et la France aussi, quand donc ça, c'est après Borloo que ça a commencé, on s'est dit, quand un agriculteur va se convertir, il a une période de 5 ans où il va être aidé pour passer d'un système à l'autre. Et donc, il y avait eu un critère par culture établi d'aide à l'hectare et par an. Et donc, ce système-là est conservé. Par contre, il avait été mis, pour continuer d'aider les agriculteurs, un système de maintien de l'agriculture bio, c'est-à-dire que, au début, je ne sais plus sur quel, mais c'était sur une durée de 5 ans, je crois aussi, où il y avait des aides au maintien qui étaient en pourcentage des aides de conversion. Je crois que c'est ça, c'est 5 ans à l'aide à la conversion et 5 ans au maintien. Ouais. Et donc, déjà à la dernière PAC, il y avait eu des tentatives de supprimer les aides à la conversion. Sur la région, ça ne s'était pas fait. Carole Delga, après un long dialogue, on avait décidé de les garder, ces aides au maintien. D'accord. Et donc là, au niveau européen, clairement, et au niveau national, il y a une tendance à vouloir les supprimer. Alors, pour une zone comme nous, en Lozère, où il y a quand même pas mal de petites exploitations, il y a aussi le crédit d'impôt qui est passé, je crois, là où passe cette année à 3 500 euros. Et pour moi, agriculteur, petit agriculteur, j'allais dire, ça me va très bien, quoi. D'accord. Ces aides-là. Mais c'est vrai que pour un gars qui a dans le Gers, parce qu'on ne travaille pas que pour nous, 300 hectares de céréales, il ne trouve pas son compte. Ouais. Voilà pourquoi il y a cette manifestation pour le maintien, parce que effectivement, aujourd'hui, il y a de l'aide à l'agriculture raisonnée, qui est moins qualitative, et on supprime des aides sur l'agriculture bio. On considère quand même comme la plus aboutie en termes de préservation de l'environnement. Et j'ai une question de quelqu'un là dans le chat justement qui demande, est-ce que la bio est réservée à une classe aisée pouvant se le permettre et produirait-elle assez pour nourrir la majorité de la population ? Très bonne question, donc il y en a deux. Alors, je vais vous répondre indirectement. La bio, avec le conseil départemental de Lozère, nous avons travaillé avec la technicienne donc, qui s'occupe des collèges à faire une semaine de repas que bio, c'est-à-dire avoir des ingrédients bio dedans. Et le surcoût de l'ingrédient, j'entends bien, par rapport à un repas qui est autour de 8 euros de coût, on était à 1,60 € de coût, et si on montait à 1,80 € ou à 2 euros, c'était l'objectif moi que je voulais, 2 euros d'ingrédients sur 8, donc c'est quand même pas la majorité, alors que finalement on mange bien les ingrédients. Eh bien, voilà, en augmentant de 20% le coût de l'aliment, donc de 20 centimes en gros, ou de 40 centimes maximum, entre 20 et 40, donc entre 10 et 20%, on arrivait à confectionner un repas bio. Alors, ça demande pas d'être plus riche, de gaspiller son argent, mais ça demande peut-être de mieux travailler son alimentation. Au lieu d'acheter une boîte toute prête, peut-être qu'il faut un peu cuisiner. Et ça, on l'avait perdu, un peu le sens de la cuisine. Ça revient quand même très fort et depuis quelques années. Et aujourd'hui, l'autre argument, c'est qu'aujourd'hui, on met moins d'argent sur l'alimentation que ce qu'on met dans nos loisirs, que sont les iPods, les ordinateurs. Voilà. Et donc, je crois qu'on est en dessous 14% du budget familial mis sur l'alimentation. D'accord. Or, c'est un besoin primaire à l'alimentation. Si on ne mange pas, on meurt. Alors que si on n'a pas d'iPod, on peut survivre. Voilà. On nous fait croire qu'on en mourrait, mais on n'en meurt pas. Voilà. Donc, voilà, si on relativise de cette façon-là,
Je dirais que le bio est à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, moi, je le vois bien avec Verteuil quand je fais des dégustations. Il n'y a pas que les classes catégories supérieures qui achètent le bio. On a des gens smicards qui en achètent et qui raisonnent effectivement leur alimentation. Donc, c'est sûr que ben, un budget, ce n'est pas élastique, hein. Mais c'est, je pense, une fausse idée que de croire que le bio va coûter excessivement plus cher que le produit. On vous entend plus très bien. Ils viennent nous agresser. Excusez-moi. Et donc, la deuxième question sur est-ce que le bio pourrait nourrir tout le monde? En l'état actuel de la production du bio, si on disait on prend que le bio de France et on veut nourrir tous les Français, on aurait un peu de mal. Parce que je crois qu'on est qu'autour de 10% de l'agriculture. Je dis peut-être une bêtise, là, de tête, je n'ai plus le chiffre. Parce qu'il évolue quand même chaque année. Mais enfin, bref, on est à moins de 20%, je vais dire, d'agriculture bio. Je ne sais plus, l'agence bio qui fait très très bien son travail avait sorti un chiffre et ça avait fortement progressé, ça m'avait surpris. Mais je crois qu'on doit. Je crois que c'est 10%, mais alors attendez, je vais. Oui, Ouais. mais je ne suis pas certain de ce que j'ai affirmé. Mais je sais que sur certains segments, c'est beaucoup plus. Donc aujourd'hui, non, clairement, tout le monde ne pourrait pas manger bio, surtout si on dit qu'on veut du bio local. Parce que. Pour moi, le bio ne doit pas tourner dans le travers de l'alimentation mondialisée où un produit, j'ai rien contre les produits qui viennent du Japon, ils en font de très bons, mais voilà, il faut que ce soit leur spécialité. Il ne faut pas que le produit paupérise une population d'une partie de la planète. C'est On a ça. assez pillé des colonies pour ne pas continuer à ce niveau-là. Donc, le bio, je pense que c'est une évolution. Il ne faut pas vouloir dire demain, voilà, dans 5 ans, tout le monde sera bio. Il est du rôle de l'État, je pense, que de nous inciter à être de plus en plus sûrs de l'agriculture et des agriculteurs qui réfléchissent et qui donc. Se convertissent. Tout n'est pas facile parce que moi, j'ai eu 2 ou 3 dossiers en Lozère où on leur a déconseillé de passer en bio, notamment avec leurs données économiques, en leur disant, finissez par exemple vos emprunts que vous avez s'ils étaient dans une situation extrême, et après, on vous aidera à passer au bio. En Lozère, c'est rare, mais bon, on en a eu une paire de cas. Voilà, je dirais, alors certains disent aussi, pour complémenter la question, si tout le monde passe au bio, on ne pourra pas produire assez, ce qui est faux. On a eu l'exemple, il y a 2 ans, d'un peu de sécheresse du côté du Massegros, là-haut, donc sur les plaines aux confins de l'Aveyron. Et la perte de rendement sur les cultures céréalières bio a été moindre que sur les cultures céréalières traditionnelles. Et on va me dire, oui, mais c'est parce qu'elles produisent moins. Eh bien, il faut se détromper aussi. Dans notre chère Lozère, le bio n'a pas à rougir de ses rendements. Et je dirais qu'à situation égale, mon technicien de chambre avait fait un comparatif entre 2 exploitations anonymées et l'exploitation bio. Donc, à calibre égal, sortait un meilleur revenu que l'exploitation non bio. Mais, je mets le mais, ça demande beaucoup plus de technicité et beaucoup plus de réflexion. Mais c'est beaucoup plus valorisant humainement de se dire, ben ouais, là, j'ai solutionné sans tout bouleverser, quoi. Donc, ça veut dire effectivement faire de la formation, faire. Accompagner les gens et y compris les consommateurs. Parce que, bon, on est peut-être un peu en vrac là par rapport à vos questions, je m'en C'est excuse pas avec grave. toi. Et finalement, moi je dis,
qui devrait être et pas assez pour moi, l'arbitre, ça devrait être le consommateur. Le consommateur qui doit lire les étiquettes, quelles qu'elles soient, et qui ne doit pas se laisser noyer dans des longueurs d'étiquettes et dans des codes illisibles. Voilà, il faut lire les ingrédients et arriver à interpréter ce qui est dans le produit. Parce que quand on achète un produit, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Et alors à ce sujet, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français, selon l'agence bio, 63% des Français qui estiment quand même manquer d'informations par rapport à leurs achats, justement, notamment au niveau des marques complémentaires qui vont un petit peu grignoter le vide qui est laissé par la réglementation européenne, par exemple pour tout ce qui est l'aspect local des cultures, l'aspect biodiversité qui ne va pas forcément être pris en compte par le cahier des charges, l'aspect équitable aussi. On pourrait dire qu'il y a plusieurs types de bio, peut-être. Comment est-ce que le consommateur il peut faire pour s'y retrouver dans tous ces achats? Moi qui suis avec Verfeil un professionnel de la transfo depuis 30 ans, quand les gars des fraudes passent et qu'on leur pose des questions par rapport à des étiquettes, par exemple de petits pois, on découvre que dans la législation, il y a plein de chasse-trappe, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses non dites sur les étiquettes. Et ça, c'est peut-être chaque Français vote, a priori, ou est capable de voter. Et c'est à nos législateurs de rendre les étiquettes plus lisibles, je dirais. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires à marquer sur les étiquettes. Et là, le consommateur ne peut pas apprendre à deviner. C'est trop complexe. Alors, sur les ingrédients base, c'est sûr que c'est simple. Mais par exemple, moi, j'ai des étiquettes où je lis qu'il y a des transformateurs qui mettent de la pectine dans de la châtaigne. Or, on D'accord. sait que la châtaigne, c'est plein d'amidon. Et donc, le défaut de la châtaigne, c'est que la pectine, c'est fait pour qu'un produit se tienne, devienne un peu pâteux, compact. Et la châtaigne, elle est naturellement compacte. Donc, si le gars, il met de la pectine dans sa châtaigne, c'est soit qu'il n'a rien compris, qui connaît rien à la biologie, soit c'est qu'il a mis un tas d'autres produits avec qui ont fait que la châtaigne n'est plus ne se tient plus, et ça c'est grave parce que c'est-à-dire la châtaigne c'est un nœud de voilà, ça c'est un exemple que je connais très bien parce qu'on en fait tous les jours, Donc ça, mais c'est absurde. On rajouterait des produits qui enlèvent les propriétés initiales et finalement on remet un autre produit derrière pour remettre les propriétés. Donc Et oui, mais c'est pas absurde parce que c'est une question de rentabilité. Et c'est comme ça que c'est pas parce qu'un produit est cher qu'il est bon, mais par contre les produits vraiment pas chers, c'est-à-dire en dessous le prix qu'on peut donner à un agriculteur, cela il faut s'interroger, c'est qu'on a mis très peu de bonnes matières et qu'on a mis de la fécule de pommes de terre, qu'on a mis je sais pas D'accord. quel autre ingrédient pas cher pour justement faire un prix pas cher. Ouais. Voilà, quand le prix prône sur la qualité des aliments, ça c'est un peu embêtant, hein. Pour revenir sur notre travail sur le collège, il faut savoir que quand on vend un veau, on le vend en bio, plus près de 5,50 €. Et il y a une intendante qui nous avait dit, ah ben moi, j'achète ma daube pour donner aux gamins à moins de 4 €. Ça veut dire que déjà, elle ne vient pas de France parce que ce n'est pas possible. Notre veau, déjà au départ, coûte plus cher, donc il faut l'abattre, le transformer et le ramener à la collectivité. Mais ça veut dire que c'est des animaux d'import. Et là aussi, les normes d'import, donc ça, c'est en trade, ce n'est pas en bio, mais il y a des pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous sur tout ce qui est hormones de croissance et tout ce qui est antibiotiques. Et donc, c'est des vaches qui viennent de Hollande ou d'Amérique du Nord, on va dire, avec des qualités de viande qui n'ont rien à voir avec celles qu'on produit sur le sol français. Parce que même en non bio, en France, on a encore une agriculture familiale qui produit de la qualité quand même. Et c'est un système qu'il faudrait qu'on garde.
les fermes gigantesques comme aux États-Unis, j'espère qu'on n'y arrivera jamais parce que on y perdrait notre âme et notre valeur gustative. Oui. Et aujourd'hui, le bilan écologique et sanitaire du bio, il est quand même meilleur que le conventionnel. Est-ce que les agriculteurs en bio sont en meilleure santé de façon générale? Alors, ils doivent l'être, oui, puisque il y a malheureusement beaucoup d'agriculteurs, et notamment en viticulture et en arboriculture, avec les traitements que les agriculteurs faisaient, c'était les premières victimes des traitements chimiques, hein. Il ne faut pas l'oublier. Et parce qu'on parle beaucoup du consommateur, mais derrière, il y a aussi des gens Mais derrière qui s'exposent. voilà, ils traitaient sans cabine, sans voilà, torse nu, et donc les produits qu'ils épandaient allègrement, ben, ils se les ingéraient aussi, hein, et donc beaucoup sont morts du cancer prématurément. Il faut voilà, le savoir et penser à eux. En Lozère, je dirais, ce problème ne se posait pas comme dans toute zone de montagne, parce qu'il y a très peu de pesticides utilisés, c'est Epsilon. Et en Lozère, tout le travail qu'on a à faire, c'est sur les désherbants, par exemple au bord des clôtures ou dans des cultures, et les engrais, la gestion des engrais. Voilà, parce que pour ceux qui sont un peu plus âgés, à une époque, on parlait des vieilles graisses potassiques. Donc, mettez de la potasse à tire-larigot dans vos cultures. De toute façon, vous les retrouvez, si elles ne sont pas utilisées cette année, vous les retrouverez. Et à l'époque, on ne parlait pas de lessivage, en tout cas pas de façon intense. Aujourd'hui, même quelqu'un qui n'est pas en bio, le fractionnement des doses et la gestion des apports est quand même mieux calculée. On a fait d'énormes progrès là-dessus ces 20 dernières années en France. Aujourd'hui, on a beaucoup de bio, enfin, une image du bio, on va dire, qui est un petit peu fluctuante, puisqu'il y a on va dire, une certaine catégorie d'agriculture biologique qui est un peu associée au système agro-industriel. Est-ce qu'on peut faire confiance au bio à 100%? Je pense par exemple alors peut-être pas forcément en France, il y a plus. Je sais qu'en France, il y a des serres qui sont chauffées au fioul, déjà, bon, pour faire du hors-saison en bio. Est-ce que c'est ce genre de bio-là qu'on veut? Comment est-ce qu'on peut faire pour se diriger vers des choses un peu plus raisonnées, on va dire? Alors, enfin, ça coûte cher les serres chauffées au fioul, donc je ne sais pas trop s'il y en a encore beaucoup. Là-dessus, je vais faire une réponse sans botter en touche, mais le premier coupable, c'est le consommateur. Si les gens arrêtaient de demander des fraises à Noël, ou alors il faut les surgeler, les fraises, pour les avoir à Noël. Et encore, on consomme de les. Enfin, bon, bref, mais ça peut être un pis-aller. Voilà, si le consommateur n'achète pas, le supermarché ne va pas mettre un rayon. S'il ne met pas un rayon, il ne demandera pas au producteur de produire. Et donc, j'allais dire, c'est l'action que peut avoir le consommateur, hein. Ce n'est pas que je me défausse sur lui. Après, en bio, bon, le maraîchage, c'est peut-être mauvais exemple parce que je vois mal des maraîchers. Et avec le fumier, par exemple, de cheval, on peut chauffer un terrain. Il y a le solaire, et puis même avec des serres froides, on arrive quand même à faire des légumes d'hiver. Alors, on fera pas de la tomate, c'est sûr, mais si on veut de la tomate assez tôt, pourquoi pas jouer avec le sud de l'Espagne à ce moment-là, hein, où eux ils ont une avance sur le. Mais manger de saison, j'allais dire, c'est peut-être la meilleure façon de lutter contre ces dérives. Après, le bio est contrôlé par les organismes de contrôle. J'allais en citer un, mais bon, il ne faut pas parce qu'il y en a 5 ou 6 qui sont assez rigoureux. Moi, j'en ai eu deux que j'ai vus. Ils font très bien leur boulot. C'est des contrôles assez sérieux, une traçabilité rigoureuse. Ça n'empêche pas que dans le monde du bio comme ailleurs, il peut y avoir des individus qui veulent frauder. On l'a vu avec des céréales sur les stockages à Bordeaux.
Sûrement qu'il y a d'autres exemples divers et variés un peu partout. Beaucoup se font rattraper quand même par les contrôles parce qu'en traçabilité et grâce à l'informatique, on arrive quand même pas mal à avoir. Du 100% garanti, je dirais, faut pas être naïf, non. Qu'il y ait une grande garantie avec les contrôles et la traçabilité, je dirais oui. On a aujourd'hui, moi j'ai assez confiance, alors c'est peut-être mon défaut naturel, mais j'ai assez confiance dans ces organismes et dans le suivi pour que ce soit vu. En plus, aujourd'hui, on a quand même de plus en plus des analyses qui sont faites dans les produits transformés. Et à une époque, on nous demandait des capacités de moyens, c'est-à-dire qu'il fallait prouver qu'on avait tout mis en œuvre pour que ça soit bio, même si on n'avait pas le résultat. Aujourd'hui, de plus en plus, on nous demande du résultat. Moi, j'ai un collègue qui transforme en PPM. Aujourd'hui, il fait systématiquement des analyses à l'arrivée des produits. D'accord, oui. Parce que sur les produits PPM, c'est les plantes à parfum, aromatiques et médicinales. D'accord, ok. Ouais. On emploie des sigles, excusez-moi. Et donc, effectivement, là-dessus, il y a eu une évolution. Même si certains vous diront, à juste titre, pour la plupart, que avec un label européen, on a été obligé de faire converger tous les États. Et donc, obligatoirement, c'est un label média. Donc, la France, qui était assez bien avancée là, sur la qualité du bio, sur certains segments, on a un peu perdu. Mais aujourd'hui, les critères européens sont en train de remonter vers le qualitatif et vers le haut. Donc, D'accord. Vous avez toujours des anxieux qui vous diront que ce n'est pas assez. Mais pour moi, on est dans le bon mouvement. Ce qui compte, c'est de progresser. Et Ok, pas, donc voilà. le label français soit pas tiré vers le bas par le label européen. Et donc aujourd'hui, il y a une progression. On sait que la charte bio exige, par exemple, des distances entre les cultures bio et non bio. Par exemple, moi, bon, l'autre jour, je voyais une information. Je me disais, est-ce que c'est vraiment sérieux? Par exemple, on sait qu'il n'y a pas de réglementation pour convertir un champ en bio. Enfin, si on veut convertir son champ en bio à côté d'une usine polluante ou d'une décharge, par exemple, eh ben, on peut le faire. Ou s'il y a des dioxines et des PCB. Bon, est-ce que voilà, aujourd'hui, est-ce que ce bio-là, par exemple, on lui fait confiance ou pas, quoi? Oui, alors l'environnement est quand même de plus en plus regardé. Ce n'est pas parfait à ce niveau-là. Effectivement, du bio dans la vallée du Rhône et en Drôme, il y en a énormément. Je dirais que c'est toujours mieux que des cultures mises en conventionnel avec beaucoup de pesticides. Ça, c'est la pollution ambiante. On en a même à des endroits insoupçonnés. Sur Oui. le mont Lozère, qui est pourtant, ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est un lieu isolé de tout, sans culture, sans des chercheurs en enregistrant, ont trouvé de la pollution. Et cette pollution, elle venait d'où? Avec les vins, elle venait de Barcelone. Donc, ça Ah oui. traversait la Méditerranée, ça venait avec la pluie notamment. C'est le D'accord. problème des pluies acides dans l'est, le nord-est de la France. Donc, effectivement, à ce niveau-là, on a des progrès à faire et des progrès à faire, j'allais dire, sur la pollution globale. Aujourd'hui, il est quand même. Il y a des déclassements qui sont faits. Si un champ est à côté d'un champ traité et que ça touche le champ en bio, la culture est déclassée. Ok.
Donc ça, effectivement, sur la pollution globale et ambiante, c'est-à-dire la pollution par l'air et par la pluie, donc par l'eau, aujourd'hui, bien malin qu'il la maîtrise. Ouais, c'est Sauf sûr. à faire comme quand il y a eu le nuage de Tchernobyl, de dire que le nuage de Tchernobyl s'arrêtait à la frontière. Eh oui. Voilà. Non, on peut pas tout contrôler, effectivement. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à dire sur ce sujet-là. Non, parce que effectivement, c'est un problème global, c'est-à-dire qui nous dépasse et qui est presque mondialisé, parce que effectivement, sur nos zones, j'ai pris Tchernobyl comme exemple un peu de mensonge d'État, mais effectivement, on s'aperçoit que le nuage, il a fait le tour de la moitié de la Terre pour arriver chez nous. Et Ouais, donc c'est là, il faut qu'on ait le courage et là, il faudrait être président de la République et j'allais dire aux Nations Unies pour arriver à jouer contre ces pollutions. Et donc, c'est à eux de décider. Donc, et c'est à nous, en tant qu'électeurs ou en tant que consommateurs, de dire halte à ces pollutions. Mais ça remet beaucoup de choses en cause. Et voilà, ça ne se fera pas en 3 jours, mais avec des filtres de meilleure qualité, en aidant certains pays, en arrêtant peut-être les centrales au charbon, parce qu'aujourd'hui on veut arrêter les centrales nucléaires, mais qu'est-ce qui est le pire des centrales qu'on a aujourd'hui et qu'il faudra soit continuer de faire fonctionner, soit mettre à l'arrêt, ou les centrales à charbon qui sont hyper polluantes, quand on passe à côté d'une centrale à charbon, on le sait. Oui, non, c'est sûr. Après, bon, autre sujet, Au autre débat, sujet, voilà, c'est pas pour ça. mais Non, mais c'est c'est bien vrai que, d'en parler, c'est sûr, on est tous les deux voilà, pour. c'est sûr que quand on est à côté d'une grosse industrie, les risques de pollution atmosphérique sont plus importants, ça c'est certain. C'est du bon sens. Pour revenir sur les prix du bio, je crois que. Vous aviez un peu des informations à ce niveau-là, mais est-ce que le bilan économique du bio est-il supérieur au conventionnel? Et est-ce que les aides publiques, même si effectivement il y a des fluctuations, risquent pas de doper le bio aux subventions? Alors, Deux questions. les aides publiques spécifiques sur le bio, elles ne concernent que la conversion. Donc, le maintien y est, mais c'est. Bon, alors peut-être qu'il y a des zones en France et des productions, le gars qui a 600 hectares, c'est sûr que pour lui, c'est plus important que pour nous en Lozère. Mais je dirais, c'est. Non, le risque n'y est pas parce qu'on a. Pas plus d'aide que guère plus d'aide que le conventionnel. Il ne faut pas croire, si on n'a plus l'aide au maintien, en fait, il n'y aura que l'aide à la conversion pour le bio. Donc, on a vite fait le tour. Et ça dure pas plus, ça dure 5 ans. Et il se parlait, et c'est là où on n'est pas d'accord, de le réduire à 3 ans. Certaines cultures, justement les plus vertueux, on leur apporte moins d'aide. Ce D'accord, ok. Oui, qui pour c'est non, toujours c'est. été, mais qui pour moi est aberrant. Alors, c'est peut-être parce que je suis un Lozérien vertueux que je dis ça. Chacun prêche pour sa paroisse. Mais effectivement, le risque que les aides. Voilà. Quelqu'un qui va se convertir que pour les aides, il ne tiendra pas le choc. Oui. Et donc, à une époque, avec la DDT, donc la direction départementale des territoires, qui est l'ancienne direction de l'agriculture, on avait mis un système en place où effectivement on faisait une analyse donc des exploitations. J'avais soumis ça donc aux responsables de l'agriculture de la région et ça a été adopté en région où la région nous donc aidait les agriculteurs pour faire un diagnostic avant leur conversion et regarder donc les aspects techniques, économiques et sociaux de leur conversion. Et c'est quelque chose qui a super bien fonctionné.
Malheureusement, tous les départements s'en sont pas saisis. Nous, en Lozère, on le faisait avant, donc j'avais dit aux techniciens. D'ailleurs, ça nous a aidé à développer un appui technique par rapport au bio et à la conversion bio. Et je trouve que c'est un système qui est bon parce que, bon, à part quelques-uns qui disent, eh ben là, je vais me convertir 5 ans, faire, voilà, chercher toutes les aides et me gaver, mais ça veut dire, cette idée-là, elle existe sur le gars qui fait ça, c'est qu'il le fera non bio, il le fera en bio, et demain, il dira, je ne sais pas quoi faire pour avoir. Voilà. Ça, c'est pareil, mais c'est un pourcentage qui n'est pas majeur. Après, certains se sont peut-être un peu gavés avec des cadrages de certaines aides qui n'avaient pas été assez précis parce que voilà, il y a quelques vides et la nature a horreur du vide et donc certains s'y engouffrent. Mais voilà, je dirais que ce n'est pas pire que sur d'autres productions ou d'autres modes de production. C'est même moins pire puisque je pense que, en tout cas sur notre département, on a des conversions qui sont durables. D'accord. Et moi, en tant que président de Lozère Bio et élu, c'est vrai que je ne pousse pas les gens qu'on sent un peu trop faibles pour passer en bio d'y aller contre vents et marées. Il vaut mieux préparer un peu plus les exploitations et avoir ce côté technico-économique très important et donc le social suit derrière. Pour vous prendre un exemple sur le département, donc le sud du département, les Cévennes, c'était une zone à chèvre. On a donc le groupe Tribala qui est intéressé au lait de chèvre bio et on a la Lémance donc, qui est un transformateur en lait de chèvre bio, entre autres, qui s'était intéressé sur notre département. Donc, on a échangé avec eux et on a regardé donc leurs besoins et on a regardé la faisabilité donc de réponse à leurs besoins avec ce qui était sur le terrain et est-ce qu'on installe des jeunes agriculteurs producteurs de lait de chèvre. Et donc, en analysant les situations, c'était la période de la crise du lait de vache et on s'est aperçu que tous les petits producteurs qui avaient 20 à 30 vaches étaient dans une situation économique très, très critique. Et que si on les aidait à se convertir en caprin, économiquement et techniquement, ils s'en sortaient très bien. Parce que la technique laitière, il avait déjà en grande partie, même si la chèvre, c'est un animal qui est différent et qui demande plus de soins, enfin, voilà, un peu plus de technicité. Donc là, on a sollicité la région, on a sollicité le département, qui nous ont tous répondu. Et sur la région de Marvejols-Saint-Chély, on est arrivé à reconvertir une quinzaine d'exploitations et ou à installer de jeunes agriculteurs sur de la production caprine bio. C'est une zone où il n'y avait pas l'élevage de chèvres, il y a 20 ans de ça, ou 15 ans. Et donc, je pense qu'on a sauvé des exploitations qui auraient été appelées à disparaître. On les a rendues rentables, donc transmissibles, c'est-à-dire que les jeunes pourront s'y installer. Et en même temps, ça nous permet de conforter des entreprises qui voulaient s'installer localement. Ça apporte en plus les emplois pour de la transformation localement. Donc, je peux dire que je suis fier du travail qu'on a fait en Chambre d'agriculture sur ce domaine-là, toujours en collaboration. Voilà. Là, c'est sur la Lozère, on a une collaboration complète entre tous les organismes, que ce soit d'État, que ce soit départementaux, transformateurs,
chambre d'agriculture, enfin toutes les chambres consulaires. Voilà, on arrive à faire des réflexions de groupe qui nous permettent d'avancer, d'accueillir des projets de cette nature. D'accord. Donc une bonne organisation en région autour du bio, c'est essentiel pour être pour moteur, quoi. Enfin, comme voilà. Moteur. Ouais. Eh bien, en Lozère, on a de la chance de ne pas être trop nombreux, donc il est plus facile de se rencontrer. Ça aide aussi. Voilà, ça aide aussi, oui. Est-ce qu'il y a un risque de baisse des prix du bio par la grande distribution avec la banalisation du bio, du secteur bio? Alors, il y a un risque de baisse des prix si cette baisse des prix correspond à une baisse des charges de production. Pourquoi pas? Donc, elle peut, je pense qu'il y a un delta à gagner là-dessus, mais le risque, effectivement, ce que tu dis, Victor, est vrai. L'inquiétude, c'est que la grande distribution aille chercher du bio dans des pays où la main-d'œuvre est moins payée, voire déjà en esclavage, d'une qualité qui est moindre. Et effectivement, ça peut, comme dans le traditionnel, quoi, diminuer la qualité même et diminuer l'intérêt du bio du côté, j'allais dire, proximité, garantie que le produit soit sain. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on peut avoir une inquiétude. C'est pour ça que d'inciter le travail de proximité et éviter que les marchandises traversent deux fois la planète avant d'arriver chez le consommateur, ce serait une garantie à la fois de qualité et de finalement, c'est de l'équitable, j'allais dire, nord-nord. C'est-à-dire que voilà, la première façon d'être équitable, c'est de consommer local et de consommer de saison. Oui. Parce que les supermarchés, ça ne les gênera pas de faire rentrer un bateau de fraises, je ne sais rien moi, de Chine ou d'Afrique du Sud, si les consommateurs demandent de la fraise à Noël. L'Afrique du Sud peut produire de la fraise à Noël. Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt voilà, un fruit de saison et du local est, je pense, le plus intéressant. Et l'hiver, on peut découvrir d'autres produits. Du coup, on va peut-être faire une dernière question, un petit peu générale. Est-ce que vous pensez qu'il est possible et souhaitable d'avoir une France 100% bio un jour? Alors, possible, a priori, il n'y a rien qui l'interdirait. Après, souhaitable, ben, si on y arrive, ça veut dire qu'on aura fait un grand progrès dans la maîtrise du raisonnement à la fois, il y a un grand pas quand même encore à faire, hein. Je pense qu'on mettra longtemps parce que, effectivement, si on remplace les engrais par d'autres ingrédients, eh bien, il faut qu'ils soient produits, notamment, je pense au fumier. Pourquoi pas retrouver des animaux dans la bosse, donc le sud parisien ou dans des zones à monoproduction céréalière. Peut-être que ça passe aussi par une diversification de notre bol alimentaire. Je pense que certains veulent détruire l'élevage. Je pense que l'élevage est nécessaire à l'équilibre. Le bio, pour moi, c'est un équilibre. Donc, les animaux sont l'équilibre du végétal. En plus, l'être humain est omnivore, donc il mange de tout. On n'est pas des vaches, ça se saurait. Voilà, il faut manger du poisson, il faut manger de la viande, il faut manger des fruits et des légumes.
Et donc, oui, le 100% bio, pourquoi pas, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Voilà. Mais avant d'arriver au 100%, on a encore des marges de progrès très importantes. Oui, clairement. Voilà. Sachant qu'effectivement, sur l'alimentation, ce serait bien qu'on arrive à nourrir tous les gens présents sur la planète. Bon, déjà, là, on est plutôt aux alentours de 10%. Donc, avant d'arriver au 100%, effectivement, il y a de la marge. Ouais. J'ai deux questions. Ah, pardon. Oui, il y a un progrès aussi. En restauration collective, notamment, on y a travaillé avec réussite. C'est éviter le gaspillage alimentaire. Oui. Les pertes d'aliments. Alors, là aussi, il y a des très gros progrès. Les supermarchés, aujourd'hui, ne jettent plus comme avant. Mais dans les cantines et je pense dans les foyers, on doit retrouver beaucoup de produits à la poubelle. Alors que je prends qu'un exemple, par exemple, sur des confitures ou tous les produits qui sont avec des DLUO, donc date limite optimum d'utilisation, si c'est légèrement dépassé, on peut consommer, quoi, hein. Ça ne sert à rien de jeter. Et là aussi, c'est toute une éducation à faire et ça fait partie effectivement des progrès qu'on doit faire. Et du coup, pour répondre à la question de notre ami là, qui avait dit si on gaspille moins, ça coûtera moins sur le budget alimentation. C'est aussi un complément. On c'est l'a ça. Vu en restauration collective. J'ai une personne du chat qui me demande quels sont les critères qui permettent à une agriculture de pouvoir être qualifiée de bio. Donc peut-être qu'on n'a pas été assez spécifique là-dessus pendant le live, donc ça vaut le coup. Ouais, on l'a pas dit. Eh bien, être en bio, donc il y a des critères qui ont été définis, c'est-à-dire que le bio normalement on doit utiliser que des produits naturels, pas des produits de synthèse. C'est-à-dire que tout ce qui est engrais de synthèse, on supprime. Alors, il y a des engrais naturels du style le cholage, du style qu'on peut utiliser, puisque là, c'est de l'extraction de carrière. Tout ce qui est pesticides, pareil, à supprimer, ou désherbants. Et donc, ben, on en revient à des purées d'ortie, on en revient à des traitements, par exemple, avec du thermique, avec du travail de sol pour éviter les mauvaises herbes. Donc ça, c'est les pesticides, les engrais, c'est les principaux critères, je dirais, du bio. Voilà, c'est d'éviter. Et alors, sur les animaux, par exemple, on est beaucoup dans le préventif, mais on a droit à un traitement par an, par exemple, soit du vermifuge, mais bio et non bio. D'ailleurs, on a fait beaucoup de formations en Lozère sur l'élevage et on avait autant d'agriculteurs non bio que bio pour, par exemple, analyser un poil d'animal pour voir ses carences, analyser les crottes, etc. Ça intéresse tout le monde, tous les agriculteurs. Et donc, aujourd'hui, les pharmacies vétérinaires des élevages bio sont réduites à la plus simple portion, quoi. On évite, voilà, une bête, on regarde les ambiances de bâtiments. Ça se fait 100% aujourd'hui, bio et non bio. Et une meilleure ambiance de bâtiments, ça évite, par exemple, les problèmes pulmonaires. Et ça évite donc, en conséquence, les antibiotiques. Voilà. Le bio, c'est beaucoup, beaucoup prévenir. Et réfléchir, quand on construit un bâtiment, ben, on ne le fait pas en dépit du bon sens. On réfléchit justement aux problèmes d'ambiance, c'est-à-dire une bonne ventilation, un bon ensoleillement. C'est des critères naturels. Mais comme aujourd'hui, on fait dans les maisons... biodynamique qui aujourd'hui dans le sud de la France on devrait avoir 100% de nos maisons autonomes en énergie. On en est très loin, mais ça fait partie des objectifs je dirais faciles à atteindre dans le sud de la France. Ils y arrivent à Berlin, je vois pas pourquoi chez nous on n'y arriverait pas.
On n'est pas plus couillon, comme on dit ici. Une petite dernière question avant de clôturer. On entend beaucoup parler de permaculture. Est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ça renvoie et les liens éventuels avec l'agriculture bio? Alors, pareil, là, on est en période de sécheresse. On est avec une recherche de moins en moins d'intrants. Donc, la permaculture, c'est… je ne le confonds pas avec autre chose. La permaculture, c'est souvent de travailler sur la butte, sur une butte, et de d'étager les légumes suivant leurs besoins, et de travailler en paillage et en travail du sol au lieu de faire de l'irrigation régulière, et donc de raisonner la décomposition des végétaux, etc., au lieu de faire des apports d'engrais. Donc la permaculture, en général, les gens qui font de la permaculture, même s'ils ne se disent pas en bio, ils sont dans les critères du bio, quoi. Voilà, très bien. Je ne suis pas un grand spécialiste de la permaculture. On mettra des petites références sur la permaculture pour avoir dans la description de la vidéo quelques éléments qui soulignent les différences. Et puis les points de convergence. On va s'arrêter là pour ce live. Merci beaucoup, Denis, pour cet échange très intéressant. Merci également à tous nos auditeurs. Je vois qu'on était il y a quand même quelques personnes qui se sont connectées, donc c'est chouette. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens s'intéressent à l'agriculture. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos et à vous abonner à la chaîne YouTube de Cosciences. On parle d'autres sujets très intéressants que vous pouvez voir toujours en replay. Hein. Ce live-là sera disponible en replay aussi sur notre chaîne. Pas grand-chose à ajouter de plus. Jeudi prochain, donc dans 2 jours, nous avons un autre live sur un sujet, toujours un peu sur des sujets qui se ressemblent, mais avec une petite spécificité. Ce sont les sciences du terroir, donc on en a fait déjà quelques-uns. Là, on est sur des produits plutôt en lien avec la fermentation alcoolique. Donc, on va parler de bière jeudi avec l'Amatsé, qui est un petit brasseur, un brasseur montpelliérain, qu'on va aller rencontrer, et avec des dégustations à la clé et l'explication des processus de la fermentation avec les levures, tout ça. Donc c'est jeudi en live sur la chaîne YouTube de Cosciences à 19h, comme d'habitude. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Merci Victor beaucoup pour l'invitation et à tout le monde. Avec plaisir. Très bonne soirée.